Joe, pas Joe. C'est Jonathan, pas Jonathan. Merci. Jonathan? Pourquoi au syndic il t'appelle Jonathan? Parce qu'au syndic ils sont tous cons. C'est pas juste un foutu coffre, d'accord? C'est mon rôle. Je suis l'aventurier. Normalement l'aventurier il arrive toujours à ouvrir le coffre. T'imagines un aventurier qui arriverait pas à ouvrir le coffre à la fin? Indiana Jones, il ouvre les coffres. Dora l'exploratrice, elle ouvre les coffres. Patrick Balkany. Bon, lui les coffres, il les braque, c'est pas pareil, mais tu m'as compris. Quand tu vas au Stade de France, tu vas voir Johnny, tu vas pas voir Johnny Hallyday. On est d'accord, tu comprends? Joe, mais chut. Tu vas fermer ton claque-merde. Mais c'est pas ça. Tu fermes ta gueule. J'ai la jambe enfouie dans une merde de chien. Tu dis Johnny ou Johnny? J'ai dit Johnny. D'accord, il y a un D. Oui, tout à fait. Donc tu vois, je te disais que là, on se trouve sur les bords d'une eau qui est très, très, très toxique. Voilà. Le tech. Particularité. Le tech. Le. C'est le tech. Pas du tout. Si c'est le tech, j'habite à côté. Tu fermes ta gueule. Mais je ne vais pas me faire laisser donner des leçons de morale par un énergumène qui s'appelle Titouan. Donc tu vas me faire le plaisir d'aller directement à ta mairie, hein, pour te faire faire une déclaration pour changer de prénom. Et puis voilà. Bon, pour la dernière fois, Titouglan. Mais moi, c'est Titouan. Tartouflan. Titouan. Non, mais je ne prononcerai pas ce nom. Tu as été un stagiaire d'exception, Alexandre. Tais-toi, Alexandre. Tais-toi, Alexandre. Tais-toi, Alexandre. Tais-toi, Alexandre. Tais-toi, Alexandre. Alexandre. Tais-toi. Merde. Laisse-toi un peu parce qu'on te voit pas très bien. C'est parfait, refais là. T'as jamais entendu parler des steaks de bœuf? Oh le ringard. Mais les steaks de bœuf dans l'eau? Dans l'eau? Oui. Des steaks de bœuf dans l'eau. Mais c'est des bœufs sous-mariniers. Ce n'est pas qu'un simple steak de bœuf. C'est deux steaks de bœuf. Il y en a deux, l'enfoiré. Tu me parles de quoi, là? Tu me parles de steak de bœuf dans le tech? Non, mais on n'est pas dans le tech. Mais... On n'est pas dans le tech. Mais, si, c'est à côté de chez moi, je viens de te le dire. On n'est pas dans le tech. Les steaks de bœuf. On n'est pas dans le tech. Mais tu... On n'est pas dans le tech. Mais... Tu me fais répéter, j'aime pas ça. Tiens. Ça, c'est le tien. Mais... c'est quoi, ça? C'est rien, c'est rien. Non, mais cet âge, c'est quoi, là? Mais c'est rien, c'est le costume de l'ancien stagiaire, t'inquiète. Bah, c'est de la sauce tomate. Mais bougre de con, tu crois vraiment que des mecs viennent se déguiser en Casper le fantôme pour taper leur meilleur panzani en forêt? Bon, c'est quoi le souci en fait, là, espèce de vieille crouille? T'as envie de niquer mon intro, c'est ça? C'est toi le nouveau caméraman? Ouais. Bon, j'espère que ça va bien se passer, hein. Parce que le dernier qui est venu a fait un travail de merde, hein. Alors, fais les travelling. Ça tourne les travelling. Ah mais réponds, connard! Attention, hein, c'est pas des poils de hippie qui sont allés se laver il y a deux jours parce qu'ils ont fait une tawa, hein. Mais t'avais dit que tout se passerait bien! Oui, mais ta mère t'avait dit qu'elle t'aimait, comme quoi on fait tous des erreurs! Tu l'enfiles à l'envers, ils verront pas les traces de sang! Mais c'est pas ça le problème! Oh, mais baisse d'un ton, putain! Je pense que le mieux pour y arriver, c'est de se baisser, de commencer à parler deux tonalités en dessous, tu vois, comme les peuples du Gugundu qui parlent vraiment sur des tonalités très basses. Je suis venu vous dire que j'ai vu Christiane Taubira en compagnie de Michel Sardou manger une salade César dans la salle Hervé Villard au Burundi il y a 24 jours. Tu vois, une sorte de Eddie Mitchell un peu en fin de soirée, après un paquet de gitan de maïs sans fil. Bah, le pays, c'est lequel? C'est le Burundi. Avec de l'ail et des champignons? Pourquoi tu veux mettre de l'ail et des champignons sur le Burundi? Parce que j'ai faim. Jean-Stéphane, quand je t'ai dit des flûtes, les flûtes! L'instrument de musique! Bah du coup ils sont à quoi tes beignets? C'est à la fraise. Ah, la fraise? Vas-y, tu sais quoi? Dégage. Vous l'élite qui avez le droit, que dis-je, le privilège... Attends, j'ai juste regardé la mise au point. Est-ce que c'est pas... J'espère que c'est bien. Parce que le bleu, moi je trouve pas ça terrible, honnêtement. Est-ce que tu veux même pas, regarde... Qu'à la place, on mette un jump, parce que j'ai vu ça, quand j'ai acheté des LED, j'ai vu qu'on pouvait faire un jump, c'est un assortiment de couleurs qui est plutôt pas... C'est dégueulasse, tu me remets ça en bleu tout de suite. Ouais. Bah après, moi... Bleu. Je pense que... Et tes chouchous, là, tu les fais à combien? 4 euros le sachet. 4 euros? Allez, je vais la refaire à ma sauce. Vas-y. Allez. Je ne ferai rien tant que ça ne sera pas bleu. Riez, les frères, riez. Écoute-moi bien, on est où ici? On est au Studio 64. On n'est pas au Macumba Night. Tes lumières de mort, tu me les mets avec ton ambiance guinguette et ta grand-mère qui joue du banjo où tu veux. Pas dans ce studio. Ici, on fait du cinéma, monsieur.
Ça vous fait rire. Tu m'as fait mal là. Je saigne. Vous avez pas des compresses vous? Hein? Ça va pas bien? Oui, bah, c'est... bah oui, mais non, on prend pas comme ça. Oui, bah ça va. Comment on fait si je suis jamais allé à l'école? Comment ça t'es pas allé à l'école? Qu'est-ce que tu fais dans la vie si t'es pas allé à l'école? Je suis flic à Besançon, monsieur. Dis-moi anonymement comment tu t'appelles. Moi c'est Thierry, monsieur. Bon, bah écoute-moi bien, Thierry, monsieur. Ils ont des draps blancs, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais je sais toujours pas pourquoi. C'est peut-être pour garder leur identité anonyme. Non. Non, je pense que c'est plutôt pour garder leur identité secrète, tu vois. Écoute-moi bien, Thierry. T'as 30 putains de secondes pour me célébrer l'Albatros de Charles Baudelaire ou tu vas prendre du plomb de calibre 12 dans la graisse qui te sert de cul. Oui, monsieur. Ouais, alors si tu veux pas servir sur un service d'une formule à volonté de chez Flunch, tu te dépêches. Écoute-moi bien là, papa. Ça fait 35 fois que tu forces pour rentrer. Je t'ai dit que ta tenue n'est pas conforme. Pas conforme. Il te faut un drap blanc pour rentrer ici. Un drap blanc. Alors maintenant, t'es gentil, tu te pousses. Demain, dès l'aube, à l'heure, on blanchit. La campagne. Je te reviendrai. Oh Jaja. Y a pas. Mais qu'est-ce que tu me racontes là? Alright. Ouais. Ouais, vas-y, déhanche-toi, c'est bien, ouais. Quelle grâce! T'as le permis? Est-ce que t'as le permis? Ouais. Tu conduis? Ouais, j'ai une 206 plus blanche. Super? Ouais. Super? Ouais, génial. Tu vas m'emmener? Oui, là, c'est génial. Elle est loin la voiture? Non, non. Réponds, elle est loin? J'ai dit non. Quand on gagne moins que le SMIC, on se tait. Tu vas où? Tout droit, tu roules tout droit, tu t'arrêtes pas! Qu'est-ce qu'ils vont les suicider là? Qu'est-ce que c'est, casse-toi! Non, mais je savais pas, des steaks de bœuf, ok. Ouais, des steaks de bœuf. Dans l'eau. Ouais. Dans le tech. On est pas dans le tech!